Ah ben, le moment de vérité vient de sonner dans ce programme court pour le champion du monde, le Canadien Elvis Stoico. Il y a tellement d'histoires qui ont couru depuis quelques jours, non seulement au Canada, mais ici à Birmingham, à savoir son état de santé. Est-ce qu'il est remis de sa blessure à la cheville, qui est aussi une blessure au genou, bref, à toutes les jambes? C'est ce qu'on saura dans un moment. Elvis, qui a eu une période d'échauffement quand même un peu laborieuse, il a eu des difficultés à rentrer ses souffles. Il a une volonté. Ça ne veut rien dire pour le programme. Il a une volonté de faire. Ah oui, là. Alors, peut-être vous le surveillez de près. Hein? Alors, il débutera le programme avec le triple axel. Réussi! Triple boucle piqué, excellent! Wow! Ça, c'est bon pour le moral. Ça va l'aider pour le reste de la c'est prestation. C'est parfait. Maintenant, il conserve la concentration jusqu'à la fin. Il est bien jusque-là, il n'y a pas de signe de blessure là? Non, aucun signe. Alors il exécute présentement le pied en rond. Non. Triple de Lutz. Bien réussi! Voilà. Voilà pour les sous. Alors, il a atteint pour l'instant le maximum qu'un patineur masculin peut exécuter. Les 8 éléments obligatoires, combien lui en reste? Il lui en reste encore 2. C'est la pirouette de la solution. Axel. Parfait. De pirouette, position arabesque assise, un seul changement de pied permis, retour arrière assise. Le reste pour lui c'est du gâteau. Oui. On se sent très concentré. Et comment? Alors un jeu de pied en ligne droite, beaucoup de difficultés, plusieurs petits pas. Il s'annonce une performance parfaite. Temps permis, pas plus de 2 minutes 40 secondes pour le programme court. Et voilà. Une excellente performance. Il pouvait vraiment pas faire mieux. Vous êtes juge international. Si vous aviez à juger sans partisanerie, qu'est-ce que vous lui donneriez, Benoît? Au moins, disons, je dirais que pour la note technique, il mérite au moins un 5-8 ou un 5-9. Pour la présentation, bien, on doit l'avouer, il était quand même très concentré. Il a peut-être un peu moins suivi la musique. Alors peut-être une différence au niveau, là, un petit peu plus bas à ce niveau-là. Il est content et à la fois soulagé. Hein? Ah oui, on voit Yushik. Ouais. Regardez son entraîneur. Vous avez vu son entraîneur? Les entraîneurs Doug et Michel Lee, la chorégraphe Yushik Kessler. Il entre dedans. Quelle amplitude! Bonne rotation, 3 rotations et demie. Il atterrit, enchaîne, triple boucle piquée, 3 rotations. Parfait. Aucun toucher, excellent. Voilà ça, pour une. C'est du vrai patinage. Bon, alors, il y a deux on sauts plus. On voit ici Yushik Kessler qui surveille avec Doug Lee. Et voilà. Ça se traduit très bien dans les visages. Oui. Ah, quelle émotion, Pierre. Ouais. Ah, vous avez du monde content, là. Ça n'a pas été facile depuis un mois, nul l'a dit en entrevue. Hein. C'est excessivement difficile. Des moments de déprime quand la blessure à la cheville ne se guérissait pas. Bon, rappelons que pour ceux qui ne savent pas, Elvis Stoico a été médaillé de bronze en 92, médaillé d'argent en 93, médaille d'or première place en 94. On voit ici le triple Lutz, qui est un autre élément requis. Vous voyez, très bonne carte extérieure à l'entrée, bonne amplitude, oui. Un peu penché à l'atterrissage, mais il n'y a rien à dire là, contre ce saut-là. C'est parfait. Et à son palmarès s'ajoute une médaille d'argent aux Olympiques de Lillehammer. C'est un fier compétiteur. Il a 23 ans. Il est de Newmarket, en Hollande. Alors, il est le premier compétiteur. Regardez les notes ici. 5-8, 5-7, ah, vous avez raison. 5-9, oui. Il y a un 5-9 donné par le juge français. Les autres, rien de moins qu'un 5-7. Les autres, c'est des 5-8 et un 5-9. Ça, ce sont les éléments techniques requis. Maintenant, il reste à voir la présentation. Oui. Une petite inquiétude. Peut-être qu'il y a une légère réduction, mais il restera à voir. Bon, voilà.
Voilà, présentation, c'est bien. Oui, hein? Oui, c'est la note, très bien. La note la plus faible de 5-6 du juge danois. Toutes les autres notes sont de 5-7 et 5-8. Ça le place évidemment en première position, mais il y a encore beaucoup de bons patineurs à venir. Mais ils auront du travail à faire pour le rejoindre, de Stoico.